Wenn man durch Drancy läuft, das ist ein Vorort von Paris, dann wirkt das im ersten Moment relativ beschaulich, eigentlich eine schöne Vorstadt. Da nähert man sich aber allerdings zu einigen Wohnblocks, Cité genannt, und da sieht das Ganze so ein bisschen rauer aus. Und ganz in der Nähe hat Sami Amimour, einer der Attentäter, gelebt, in diesem Gebäude hier. Hier habe ich die Möglichkeit, mit einem Nachbarn von Sami Amimour zu sprechen, der unerkannt bleiben möchte. Tu connaissais la famille? Ah oh, bah oui, bien. Est-ce que tu connais Sami? Oh, on le connaît, mais pas bien. On sait pas. Bon, il était tout le temps tout seul. C'est quelqu'un de solitaire. Ça, il persévérait, préservé, solitaire, tout le temps, très calme, très gentil. Il a jamais traîné au quartier. C'est, il travaillait bien à l'école. C'était un jeune bien, pas un jeune perturbateur. C'est pas un voyou. Et voilà, on le connaît comme ça. Est-ce que tu peux t'expliquer, est-ce qu'il y a une simple raison, enfin, est-ce qu'il peut y avoir une raison pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça lui? Ouais. Je sais pas du tout. Et puis il n'y a pas de raison, c'est pitoyable, c'est dégueulasse. Ça se fait pas de tuer des gens comme ça. Même moi, on est tous musulmans ici, il n'y a que des musulmans dans les quartiers. Et on n'accepte pas ce qu'il a fait. Ouais. Et Allah aussi, il n'accepte pas. C'est écrit nulle part que tu peux t'exploser et tuer des gens. Est-ce que tu crois que c'est un problème de banlieue, que les gens se radicalisent ou que... Ah non, pas du tout. Dans la banlieue, on n'est pas comme ça. Moi, je prie, je vais à la mosquée, je suis un musulman pratiquant. Et tout le monde le sait dans ce bâtiment, je suis pas un terroriste. Je suis contre ces gens-là. Et je leur parle même pas. C'est pas mes amis et je les considère même pas pour des musulmans, pour vous dire. C'est très grave, tu vois, de faire des choses comme ça. Après, il y a des bons côtés, tu vois. Tu vas à côté, tu sors dans le quartier, il y a des grands du quartier qui essayent de faire avancer les jeunes. Il y a pas que du mal, tu vois. Il y a l'association Agir Ensemble qui est connue à Drancy, qui fait du bien, elle essaye de donner une bonne orientation pour les jeunes, pour qu'ils avancent dans leurs études, pour qu'ils soient des bonnes personnes. Il n'y a pas que du mal. Tu lui avais parlé à Sami? Ouais. Non, il parle à personne ici. Hein. Ah, il parle tout le temps tout seul. Il même serré la main, et c'est très... J'ai dû lui serrer la main dans ma vie depuis que je suis là. J'ai dû lui serrer la main peut-être deux ou trois fois, je crois. Je peux les compter sur les doigts d'une main, combien de fois je lui ai serré la main. Ein stiller Außenseiter soll Sami Amimour also gewesen sein. In seinem Haus zu sein, bringt mich dem Attentäter unwirklich nahe. Eine Antwort auf das Warum liefert es aber nicht.